Bon, voilà, en attendant qu'on reprenne, on va vous projeter une petite vidéo sur le pôle social qui dure 3 minutes. Consiste à accueillir les personnes, à les orienter, à être dans l'écoute, gérer un petit peu tout ce qui est domiciliation, donc tous les actes administratifs qui vont donc aider les personnes à se réinsérer. J'accompagne les bénéficiaires du RSA qui sont isolés sur la commune de Digne. Donc mon travail consiste à les accompagner sur le plan social, du logement, de la santé et de l'insertion. Sur le pôle social, il y a l'antenne du CCS, mais nous avons aussi plusieurs associations qui elles-mêmes font plusieurs diverses activités. L'accueil de jour, donc géré par la Pause Café. Et après, vous avez toutes les associations caritatives comme les Restos du Cœur, le Secours Populaire, la Croix-Rouge. Vous avez le Centre d'information des droits de la femme et de la famille qui ont des nouveaux locaux dans très peu de temps. Et vous avez l'intervention, vous avez des bureaux de permanence où vous avez quand même pas mal d'organismes comme le Pôle emploi qui interviennent, le CARUD également, au moins une fois par semaine. Le pôle social a été créé à peu près, ça remonte à peu près à 25 ans. Ça a été à l'époque un site pilote, c'est-à-dire qu'il a inspiré pas mal d'autres CCS en France. Le grand avantage, c'est qu'on a toutes les associations caritatives rassemblées dans un même lieu et ça facilite quand même toutes les démarches administratives et de réinsertion des personnes. Le pôle social permet aussi l'accompagnement pluridisciplinaire des bénéficiaires que nous pouvons recevoir ici et accueillir sur le site. C'est important pour la ville qu'il y ait un site comme le pôle social où sont regroupés un petit peu tous les intervenants majeurs. Ça permet surtout aux citoyens de pouvoir, sans trop d'efforts de déplacement, d'avoir accès aux premières nécessités. Il y a souvent des activités, des choses mises en place par les associations, des animations, voilà, des animations qui permettent un peu d'égayer et de donner vie à ce pôle social. On a vraiment l'impression qu'on est utile. Ça crée un lien, il y a un lien social à travers notre organisme, à travers toutes les associations. Je pense que ça facilite vraiment l'insertion et la vie sociale des personnes. On a un service de portage de repas pour les personnes âgées ou dépendantes. On est très heureux de pouvoir travailler dans un lieu comme celui-ci qui nous permet vraiment d'être en contact avec tous les partenaires et de faire un travail de qualité. Où l'humain est vraiment au centre de nos préoccupations avant toute chose. Voilà. Ça vous a plu? Bon. Alors on va poursuivre avec l'intervention de la région Sud. Et je voudrais que Muriel Bourguignon me rejoigne pour faire cette intervention sur ce que l'Europe fait voilà, dans le domaine du social. Et je lui passe tout de suite la parole. Bonjour à tous et à toutes. Très contente donc d'être parmi vous ce matin et d'avoir connaissance donc de cette initiative commune de mutualisation donc des bonnes pratiques consécutivement à la crise sanitaire qui nous a tous affectés. Donc, vous présentez quelques fonds européens, quelques programmes, quelques dispositifs qui contribuent à réduire les inégalités et à œuvrer en faveur des familles, des femmes, des enfants et des personnes vulnérables de manière plus générale. Donc, un premier fonds qui s'appelle le Fonds social européen. Donc, j'ai essayé de mettre en bleu le français et en orange donc de l'anglais de manière à ce que chacun puisse suivre.
Donc la vocation première du Fonds social européen, c'est bien d'améliorer les perspectives professionnelles de l'ensemble des citoyens européens et parmi ceux-ci, les personnes vulnérables, ceux qui sont en situation de précarité ou d'exclusion. Donc c'est un fonds qui n'est pas nouveau, hein, il date de 1957. Et c'est le principal instrument de l'Union européenne pour promouvoir l'emploi et l'inclusion sociale. En France, c'est un peu différent en fonction des pays. En France, on a un niveau national de financement et un niveau local. Donc on finance à la fois des acteurs publics, mais également des acteurs privés, comme les associations, hein, on en parlait avec vos collègues de Borgo Manero. Et ces projets donc, qui sont financés le sont au bénéfice de personnes qui sont les plus exposées aux difficultés d'insertion, soit professionnelle, soit sociale. On peut passer. Hop. Donc là, la diapo est en français, mais je vais passer directement peut-être à la diapo en anglais, de manière à ce que... Ok. Donc, on a, donc, comme je vous le disais, l'État qui gère donc 65% des crédits de l'enveloppe allouée à ce programme qui s'appelle donc le FSE, et puis les régions qui gèrent 35% de ces crédits. Et on voit sur cette diapo que les interventions ne sont pas de même nature. On essaye justement de faire que le spectre soit le plus large possible. L'État, c'est l'accompagnement des demandeurs d'emploi, le soutien à l'entrepreneuriat, l'adaptation au changement et la formation des travailleurs et des entreprises, et puis une lutte contre la pauvreté via l'action des départements. On voit aussi que c'est un peu le principe des poupées russes, avec l'État qui est la plus grosse poupée, ensuite la région qui est une deuxième poupée, puis les départements, puis les communautés de communes, et enfin les communes. Donc la région, elle, choisit la manière qu'elle a d'utiliser son enveloppe de 35% de crédit. La diapo suivante donc, montre un certain nombre de projets qui ont été financés par le FSE. Et la personne du CIDFF que vous avez vu tout à l'heure, en réalité, a monté déjà deux projets via le FSE, dont le dernier qui s'appelle EgaliPro, et qui vise à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le milieu professionnel. Donc voilà pour le premier fonds. Quand on regarde la maquette de l'architecture des fonds européens structurels d'investissement, donc c'est un peu compliqué, et celle-là je ne l'ai pas traduite en anglais, c'était trop compliqué, mais on voit donc Europe plus sociale, c'est l'OS 4, la priorité 4, favoriser l'accès à l'emploi. Et au sein de cette priorité, on a ce qu'on appelle quatre objectifs spécifiques, dont on a trois qui sont vraiment dédiés aux publics vulnérables. Donc un sur l'orientation et l'égalité d'accès, un sur la formation continue et un sur la santé. C'est dans celui sur la santé, par exemple, qu'on se serait situé si on avait voulu travailler dans le cadre du FSE entre collectivités de pays de l'Union européenne sur les conséquences de la crise sanitaire et la manière qu'on avait eu de gérer ces conséquences. On a également donc d'autres fonds tels le Fonds européen d'aide aux plus démunis, FEAD, avec donc un certain nombre de soutiens pour l'emploi, les affaires sociales et l'inclusion. Et ça, c'est géré en direct par la Commission européenne. Donc je suppose que le support vous sera communiqué. Sur les liens que vous avez là, vous pouvez aller voir et trouver plus d'informations sur ces différents fonds. Ensuite, on a un dispositif qui s'appelle Citoyens, égalité, droits et valeurs. Et au sein de ce dispositif, on a deux volets qui ont trait aux problématiques qui nous occupent ce matin. Un premier volet qui s'appelle égalité, droit et égalité de genre. Et puis un deuxième volet qui s'appelle Daphné. Voilà, souvent en Europe, on a des noms de femmes qui ressortent sur un certain nombre d'axes. Et donc ce programme, Citoyens, égalité, droit et valeur, c'est un programme de l'UE, donc de l'Union européenne, pour la justice, les droits, les valeurs. Et il a vocation à faire que
l'ensemble des sociétés européennes soient ouvertes, inclusives et démocratiques. Donc celui-là, il est un peu plus global, on va dire, que le Fonds social européen. Et il comporte donc des volets qui sont eux aussi plus globaux, comme les valeurs de l'Union. Qu'est-ce que l'Union européenne porte comme valeur? La première des valeurs, c'est la solidarité entre les pays. L'égalité, les droits et l'égalité de genre, l'engagement et la participation citoyenne, et puis le fameux volet Daphné. L'ensemble des financements qui sont dans ce dispositif sont ouverts par appel à projet. C'est le cas également pour le FSE, et ce sera le cas aussi sur Alcotra, qu'on verra tout à l'heure. Donc ce volet 2, il vise à promouvoir les droits, la non-discrimination, l'égalité, y compris l'égalité des sexes, et il vise à faire progresser la notion d'intégration liée au genre, combattre les inégalités, promouvoir les droits par et pour les femmes, l'égalité des sexes, lutter contre toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, protéger aussi et promouvoir les droits de l'enfant, donc là on est bien dans la sphère de la famille, renforcer donc les capacités des systèmes de protection de l'enfance, là aussi la prévention des violences, et puis un peu plus largement que la simple sphère familiale et que la notion de genre, également protéger et promouvoir les droits des personnes handicapées. Donc là, on est vraiment dans la vulnérabilité. Donc sur ce volet-là, on voit là aussi, un peu comme sur le FSE, des sortes d'objectifs spécifiques qui sont l'égalité et la non-discrimination avec une dotation de plus de 10 millions d'euros, l'égalité de genre, là aussi une dotation de plus de 10 millions d'euros, le racisme et la xénophobie, 8,9 millions, les droits à l'enfant, 3,5 millions, et les droits des personnes handicapées, donc 2 millions d'euros. Donc ça, c'était le volet 2. Volet 4, donc Daphné, lutte contre la violence fondée sur le sexe. Et là, on a des projets donc, qui, là aussi, se déclineront en objectifs spécifiques. Donc, les violences à l'égard des femmes et des filles, les violences domestiques, notamment dans le cadre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dite la Convention d'Istanbul. Les violences également à l'égard des enfants, à l'égard des jeunes, à l'égard des personnes handicapées, et puis un volet purement de soutien et de protection des victimes, qu'elles soient directes ou indirectes, de cette violence. Donc quand on dit ça, on pense aux femmes ou aux hommes battus d'ailleurs, hein, et on pense aux enfants qui sont les victimes indirectes de ces violences à l'encontre des pères ou des mères. Le budget de ce volet 4, donc combattre la violence sexiste, c'est 24,5 millions d'euros. Et puis les violences envers les enfants, c'est 5 millions d'euros donc d'affectation de budget de l'Union européenne. Alors, quel type d'action on peut soutenir via ce dispositif? On peut soutenir des actions de formation, ce qu'on appelle le renforcement des capacités, en anglais on dit empowerment, l'apprentissage, des ateliers, des conférences, des réunions d'experts. On peut aussi promouvoir des actions de communication, de sensibilisation, des campagnes médiatiques, et puis des activités qui ont plus trait, on va dire, à la prospective, avec des activités qui sont plus de l'ordre de l'observation, des études, de la recherche, de l'évaluation d'impact d'actions conduites. Ça, c'est le dernier volet. En termes de public visé par ce dispositif, on a bien sûr les gouvernements eux-mêmes, les États eux-mêmes. On a ce qu'on appelle les autorités locales et régionales et les associations qui en dépendent. Donc si on transpose ça, une autorité locale, c'est une commune, une autorité locale, c'est un département, une autorité régionale, c'est une région. Les communautés de communes, qui sont quelque part un peu une exception française, font aussi partie des autorités locales. Les associations, c'est par exemple le comité d'action sociale, le CCAS qui était présent tout à l'heure, on va dire que c'est un organisme périphérique, satellitaire de la commune elle-même.
On a ensuite la société civile. Donc, par société civile, on entend toute personne qui envisagerait d'intenter une action sur ces thématiques. On a les organisations de défense des droits des femmes, dont le CIDFF tout à l'heure. Voilà le public visé par ce dispositif. Dernier programme qu'on verra ce matin, donc le programme Alcotra, qui est celui que je gère personnellement pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc le programme Alcotra, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un programme de coopération transfrontalière entre la France et l'Italie. Donc il existe des tas de programmes de coopération transfrontalière sur l'ensemble du territoire européen. Donc là, on parle de celui-là puisqu'on est sur le territoire du programme Alcotra. Mais c'est un programme qui permet de travailler entre acteurs français et acteurs italiens sur des problématiques ou des besoins ou des questions communes. Si on prend l'exemple des conséquences de la crise sanitaire et du constat qu'on peut faire qu'on est mieux armé pour réagir aux risques naturels en tant que collectivité, qu'on est armé pour réagir à un risque aussi immatériel qu'un risque lié à une crise sanitaire, alors on peut considérer que de chaque côté de la frontière, on a un problème commun. Comment, en tant que collectivité, je vais réagir à cette menace que représente une crise sanitaire dans tous les domaines que ça peut affecter, hein, que ce soit l'emploi, l'économie, l'éducation, la formation, les violences domestiques, le développement économique du territoire sur lequel je suis, la mobilité, la gestion des déchets. Finalement, ça affecte énormément de sphères et on s'en est rendu compte en la subissant, cette crise sanitaire. On pourrait imaginer qu'on ne l'ait pas géré de la même manière en France et en Italie, que les uns aient été plus ingénieux que les autres et que certains aient pu trouver des solutions dans certains domaines, d'autres dans d'autres domaines, et que tout ça, on pourrait le mettre en commun. Voilà un exemple de projet Alcotra qui pourrait être monté, être prévu entre deux collectivités, au moins, ou plus. On peut être au minimum deux, et au maximum, on va dire, une dizaine de porteurs de projets joints dans le même projet pour travailler sur un besoin commun. Alors, ce qu'on ne fait pas dans Alcotra, c'est une chose en France, une chose en Italie, sur la même thématique, mais en ne mettant rien en commun. Ça s'appelle un projet miroir, et ça, on ne le fait pas. Dans Alcotra, on essaye de résoudre une problématique commune, de répondre à un besoin commun, mais on ne fait pas une chose en France, une chose en Italie, et puis on dit qu'on a fait un projet de coopération transfrontalière. Donc depuis 1990, ce programme, il a cofinancé près de 600 projets, et ça représente à peu près 550 millions d'euros de subventions qui ont été attribuées. Il faut savoir que les projets Alcotra sont cofinancés par l'Union européenne à hauteur de 80%. Voilà, donc ça veut dire qu'on met 20% d'autofinancement et que l'Union européenne donne 80% parce qu'elle veut vraiment qu'on trouve des solutions pour gommer l'effet frontière et pour faire qu'on trouve des solutions communes. Donc là aussi, un peu comme sur le FSE tout à l'heure, on a une arborescence de programmes. Alors j'ai volontairement mis en plus petit les axes qui ne nous concernent pas ce matin, et puis en plus gros, ceux qui nous concernent ce matin. Donc entre la France et l'Italie, on pourrait décider de travailler sur l'axe « un territoire plus social ». Donc c'est soutenir la résilience de la population dans la zone Alcotra. Sur 2021-2027, la Commission européenne a décidé d'affecter 21% du budget, donc le budget c'est 182,3 millions d'euros, sur une période de 6 ans, entre 2021 et 2027, avec, comme je vous le disais, un taux de cofinancement à 80%. Donc, on a cet axe avec cette orientation « un territoire plus social ». Et puis, on a un deuxième axe, « un territoire plus proche des citoyens ». Et là, la décision des administrations partenaires que sont les régions italiennes, Piémont, Ligurie, province d'Imperia, et les régions françaises, Auvergne, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur,
ont décidé de prendre en compte les spécificités de certaines zones du territoire Alcotra pour mieux les préparer aux enjeux de résilience. Donc on est bien dans la résilience quand on se préoccupe de la crise sanitaire, on est bien dans la résilience quand on dit comment est-ce que je fais face à des situations de violence dans la sphère familiale, comment je fais face à des situations d'inégalité entre les femmes et les hommes dans le domaine économique et de l'emploi. Et ces spécificités territoriales, là, on est dans des zones de montagne, on est dans des zones très reculées, un peu des fonds de vallée, où les problématiques de mobilité ne sont pas les mêmes que dans les zones urbaines. Et là, c'est 20% de la maquette globale, donc 34 millions d'euros qui sont consacrés à financer des projets dans le cadre d'un territoire plus proche des citoyens. J'en ai terminé, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, Muriel, je voulais savoir si la nouvelle génération d'Alcotra ne pouvait pas concerner nos villes jumelles de Digne-les-Bains et de Borgo-Manero, bien que Borgo-Manero soit dans le Piémont, mais n'est pas, comment dire, n'est pas dans le schéma qu'on a vu, parce qu'on n'a pas de frontières communes, je crois. Donc C'est pas voilà, grave. c'est pas grave. Du moment que Borgo-Manero est dans la zone Piémont, qui fait partie d'une région partenaire du programme Alcotra, Borgo-Manero peut tout à fait candidater aux côtés de Digne sur un projet Alcotra. Ben, je te remercie. Je ne serais pas venue pour rien ce matin. J'étais déjà très contente d'assister à une partie de la matinée, mais voilà. Une question aussi pour confirmer ce que tu as dit tout à l'heure. Alcotra, c'est France-Italie, mais il y a aussi l'équivalent, qui s'appelle peut-être pas Alcotra d'ailleurs, Allemagne-Pologne, Oui, tout à fait. etc. Les programmes de coopération, alors il y a deux types de programmes de coopération au sein, on va dire, de l'Union européenne. À vrai dire, il y en a plus que ça, mais il y en a deux principaux, qui sont la coopération transnationale, donc entre des États qui ne sont pas frontaliers. C'est ce qu'on retrouve dans un programme qui s'appelle Espace Alpin, dont j'avais prévu de vous parler ce matin, mais il n'y a pas d'axe consacré aux inégalités sociales ou aux préventions de la violence ou des choses comme ça dans Espace Alpin 2021-2027. Du coup, j'ai pas parlé d'Espace Alpin. Donc ça, c'est un programme transnational. Ça veut dire que deux pays qui ne sont pas frontaliers, par exemple comme Digne et je dis n'importe quoi, la ville de Barcelone, pourraient travailler ensemble en coopération entre deux États, deux porteurs de projets émanant d'un État qui n'est pas transfrontalier. Et puis on a les programmes de coopération transfrontalière comme Alcotra. Alcotra en est un sur l'ensemble de l'arc alpin. On a ensuite le programme, par exemple, Maritimo, qui est surtout ce qui est le long de la Méditerranée. Donc c'est toujours entre la France et l'Italie dans le cadre de ces deux programmes. Mais on a d'autres projets, d'autres programmes transfrontaliers qui portent pas ces noms-là. Chacun a son nom. Mais effectivement, Allemagne-Pologne, pourquoi pas? Espagne-France, pourquoi pas? France-Allemagne aussi. Voilà. Après, donc, on ne pourrait pas travailler dans Alcotra simplement, on va dire, sur un axe jumelage, parce que le jumelage ne rentre pas dans les axes tels qu'on les a décrits tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une action qui rentre dans les objectifs spécifiques, mais ça, c'est des choses qu'on peut regarder ensemble. Donc, je vous invite, tous autant que vous êtes, de tous les pays dont vous venez, à regarder effectivement les possibilités qu'il y a de programmes de coopération transfrontalière. Et je vous remercie. Un témoignage de notre directeur du groupement hospitalier sur l'Europe aussi. Oui, alors moi je remercie la région Sud puisqu'en fait on a accès désormais à des fonds FEDER pour notamment des IRM. On a sur Manosque actuellement un dossier qui va être déposé là en cours d'arbitrage pour soutenir en fait la construction, donc pas l'achat de l'IRM en lui-même,
mais la construction qui va permettre d'accueillir une deuxième IRM à Manosque. Donc on a en effet des nombreux dossiers communs avec la région, mais en tout cas celui-là, puisque la région en France finance aussi toute la partie des formations, donc tous les instituts de formation pour les infirmières, les aides-soignantes, etc., sont financés par la région, donc c'est un travail collaboratif important. Ça dans le cadre du FSE, je suppose. Voilà. Et ce que je peux citer aussi comme exemple de projet qui ne concerne pas ni la ville de Digne ni les Alpes de Haute-Provence, mais on a travaillé entre le centre hospitalier des Escartons qui est situé à Briançon et la province de Cuneo sur des échanges de médecins et de chirurgiens entre les deux structures hospitalières de manière à ce que là aussi on aille vers plus d'égalité des soins. C'est vrai que j'ai été aussi en contact avec le centre hospitalier de Digne. Bon, on n'a jamais concrétisé jusqu'à présent, mais je sais qu'il y avait un sujet autour de la maternité. Il y avait un sujet autour de tout ce qui est orthopédique avec des carences en termes de praticiens. Et donc, on essaye de voir entre les deux états ou entre les plusieurs centres hospitaliers comment on fait pour réduire ces inégalités. Et là, on est dans de l'Alcotra. Merci. Merci à la région Sud. On voit que l'Europe est réellement un support très important pour faire avancer des sujets de société, pour faire avancer des sujets communs. Et cette construction européenne, c'est comme ça qu'elle se fait en réalité. C'est au travers des projets. C'est au travers du travail qu'on fait tous ensemble, on apprend à se connaître, on apprend à identifier tout ce qui nous réunit finalement et qui fait qu'on a intérêt à continuer à travailler ensemble. Et moi j'espère très fort que ce que nous sommes en train de faire, qui trouvera son épilogue au printemps prochain, ne reste pas figé, c'est-à-dire qu'on puisse ensuite peut-être proposer à l'Europe de continuer un travail qui, au-delà de tout le partage d'expériences que nous sommes en train de faire, au-delà de tous les axes de travail que nous sommes en train d'identifier, nous permettra de proposer peut-être de poursuivre ensemble et d'être sur des logiques, à ce moment-là, de construction de protocoles, de construction d'outils de prévention qui servent au cas où on aurait à nouveau une crise majeure, comme celle qu'on a vécue, qui n'est d'ailleurs pas terminée, se représente. On sait bien que, ça a été le cas pour tout le monde, je pense, quand cette pandémie nous est tombée dessus, on a tous fait ce qu'on a pu. On a tous réagi dans l'instant, dans l'urgence, comme on a pu. Et ça s'est structuré comme ça, un petit peu de façon empirique. Et au fur et à mesure qu'on faisait, au fur et à mesure, on structurait. Et on s'est parlé, bien sûr, et on a essayé de partager. Mais au début, c'était compliqué. Et donc tout ça, il ne faut pas que ça se reproduise. Si demain, il y a à nouveau une crise majeure, il faut que, comme pour les crises, les catastrophes naturelles, où on est tous obligés d'avoir des plans de prévention, on est obligé d'avoir des cellules de crise, on est obligé d'avoir des outils pour travailler ensemble et être dans la réaction instantanée, dans le cas où ce genre de situation se présente, mais il faut qu'on travaille de la même façon sur les problèmes d'épidémie et sur les problèmes de crise sanitaire. Je voudrais passer la parole à Ronnie, qui représente la sécurité civile et qui a fait aussi un travail très très important en direction des personnes vulnérables et qui va nous expliquer de quoi il retourne. Merci Monsieur le Premier Adjoint. Donc bonjour à tous, Monsieur David, président de la protection civile des Alpes de Haute-Provence. Donc je représente la protection civile dans le département, donc association agréée de sécurité civile, dont on regroupe à peu près 32 000 bénévoles sur l'ensemble du territoire national. Dans le département, nous sommes 62 bénévoles, il faut compter 49 femmes en majorité. Donc sur les différentes actions que nous avons pu réaliser sur le département, on a trois grands axes de mission qui sont dans un premier temps donc le secours à personne, dans un second temps la formation aux gestes de secours
Et dans un troisième temps, la partie qui nous intéresse, tout ce qui va être lié à l'aide aux populations et tout ce qui va être soutien population. Sur le département, donc en 2021, nous avons réalisé 40 actions sociales et solidaires sur la commune de Digne en particulier et sur Manosque dans un deuxième plan qui a été mis en place avec la commune. Ces actions, sur les missions qui ont été réalisées, nous avons deux grandes missions qui ont été la maraude sociale. Donc ça a été un contact aux personnes sans domicile fixe qu'on pourrait retrouver sur certaines communes, notamment Digne et Manosque. Ces personnes, l'objectif de ces missions était d'apporter d'abord un lien social et continuer ce lien social dans cette période de crise qui nous a en fait un peu tous éloignés. Donc dans un premier temps, on a créé du lien social, on a apporté dans tout ce qui a été plan grand froid et plan canicule. Donc nous avons emporté du café, nous avons distribué des bouteilles d'eau, nous avons distribué des couvertures de survie. Nous leur avons emporté vraiment une aide logistique aussi à ces personnes qui étaient donc en grande difficulté. Dans un second temps, dans une seconde action, nous avons distribué dans certains foyers qui étaient sur Digne-les-Bains ou sur Manosque, nous avons distribué des masques à ces personnes. Nous avons apporté donc un nouveau soutien logistique. Nous avons mis en place plusieurs actions de dépistage gratuit pour ces populations qui étaient fragiles et aussi à risque, qu'on n'a pas forcément tous pris en compte lors de cette crise sanitaire. Ces personnes qui n'avaient pas aussi forcément accès aux soins. Donc nous avons apporté cet accès aux soins directement dans ces foyers ou directement au niveau de ces personnes qui étaient donc sans domicile fixe au niveau de... Là, c'est peut-être mieux. Donc on a apporté ce soin et ces dépistages directement à ces populations qui étaient fragiles et à qui nous avons pu apporter ce soutien. Ces missions, elles ont été cofinancées par certaines subventions qui sont faites par les collectivités, la mairie de Digne qui nous subventionne chaque année et la mairie de Manosque aussi qui subventionne ces missions. Donc on va se rapprocher, on se rapproche de plus en plus et j'espère que bientôt nous allons pouvoir avoir un entretien avec le CCAS de Digne pour pouvoir faire perdurer ces missions qui ont un cofinancier aussi pour les associations. Et je tiens à préciser que ce sont que des bénévoles qui participent à ces actions et que le bénévolat reste part prenante dans la gestion de crise et hors crise. Parce qu'on a beaucoup parlé de la phase crise, mais il faut qu'on parle aussi de la phase post-crise où les actions continuent et doivent perdurer. Ce n'est pas une action ponctuelle qu'on doit mettre en place, ce sont des actions qu'on doit faire perdurer tout au long de l'année et chaque année. Donc voilà, ça a été pour les quelques missions que nous avons pu réaliser, des dépistages auprès des populations, de la distribution de masques, distribution de bouteilles d'eau, de couverture de survie à ces personnes sans domicile fixe, qu'elles soient en extérieur ou logées dans certains foyers. Voilà. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition pour y répondre. Merci. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions ? Thank you for your contribution. I'm particularly interested in knowing what are your institutional relationship among the territorial levels, the state, the region, and what is also your mobilization mechanisms according to the different events that involve your effort. Thank you. J'ai compris les institutions, il veut que je parle des institutions auxquelles je suis, où on est affilié, les partenariats entre les institutions. The second question is about the mobilization mechanism according to the different events that require your intervention. C'est quoi les mécanismes de mobilisation selon les différents événements que vous faire
Alors, pour répondre merci. À la première question, merci à vous, très très bonne question. Nous sommes une association agréée de sécurité civile, donc nous sommes dans la chaîne de sécurité civile française, qui est une chaîne hiérarchique d'intervention, de mobilisation, de moyens de secours, d'intervention. Ça, c'est notre première partie. Nous sommes une association, donc nous sommes régis par la DGCSGC, Direction Générale des Crises en France. Donc nous sommes association, micro-entreprise, en fait on travaille sur des subventions et nos interventions sont rémunérées par certaines subventions ou en fonction des interventions par des organisateurs qui vont nous rémunérer nos interventions. Nos mécanismes de mobilisation, on va être mobilisé par n'importe quel service de l'État ou d'initiative. L'État peut nous demander d'intervenir, que ce soit une collectivité territoriale ou l'État directement par les ministères de la Santé. Ministère de l'Intérieur pour tout ce qui va être gestion de crise. Donc nous pouvons intervenir d'initiative quand on a des appels à l'aide, notamment via le 15, le 17, le 18 ou le SAMU social qui est le 115, nous pouvons intervenir. Ou après, lors de nos missions en général, nous pouvons tomber sur une situation un peu particulière et nous pouvons déclencher des moyens d'initiative. Ronnie, tu l'as peut-être dit, mais comment est-ce que les bénévoles donc, qui interviennent au titre de la protection civile sont-ils formés ? Donc nous sommes une structure avec trois grands axes qui étaient le secours, mais également la formation. Quand je parlais de formation aux gestes de secours, elle est un peu plus large que ça. Parce qu'en interne, donc, nous formons aux gestes de secours. En externe, nous formons aussi le grand public aux gestes de secours. Mais nous faisons également beaucoup de formation soutien population, aide, écoute socio-psychologique et de formation sociale. Donc nos bénévoles en interne vont recevoir des formations par des formateurs qui ont des formations agréées de sécurité civile. Donc nos bénévoles seront par défaut formés par nos formateurs en interne pour pouvoir intervenir sur l'ensemble des missions pour lesquelles nous sommes mobilisés ou mobilisables. Okay. Merci. D'autres questions ? Eh bien, merci. Merci à vous. Alors maintenant, comme c'est la règle dans des réunions comme celle-ci, on va passer à la séquence émotion. Donc je vous propose, nous vous proposons, une intervention de notre collègue Bernard Tessier, qui sera suivie d'un témoignage de notre directeur des hôpitaux du département, parce que Bernard fait partie des tout premiers à avoir attrapé cette maladie et en a réchappé. Mais son témoignage va vous montrer à quel point ça a été compliqué, à quel point ça a été difficile et à quel point il est content d'être encore là. À toi, Bernard. Oui, merci de me donner la parole. Donc effectivement, c'est très émouvant pour moi, parce que parmi les séquelles que cette sale maladie a laissées, c'est le fait que lorsque quelquefois j'arrive à en parler, je suis pris d'émotions qui ne sont pas prévues. Donc si ça m'arrivait, je vais essayer de me maîtriser, hein, je vais tout faire, mais je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Donc j'ai préféré l'écrire pour ne rien oublier, parce que bon, c'est pas très long, mais je voulais bien respecter la chronologie qui est extrêmement importante. Donc nous étions en mars 2020 et nous étions à Digne-les-Bains en pleine campagne électorale. Nous entendions parler du Covid évidemment dans les réseaux sociaux, à la télé, etc. Mais nous pensions alors être un peu en marge de cette épidémie. Et en ce qui me concerne, je pensais jamais que je pourrais être concerné. J'assistais donc dans cette même salle ici. Mon ami M. Moulard en a témoigné l'autre jour, tout à l'heure, puisqu'on était à côté lors de ce meeting. Il y avait beaucoup de monde, il faisait très chaud. La salle était bondée et je commençais à me sentir pas très bien. Et je commençais à tousser et à me sentir fiévreux. Là-dessus, nous nous retournions au local de campagne. Et là, ça montait, c'était crescendo, et j'ai voulu rencontrer Patricia pour lui dire qu'est-ce que je devais faire. Et elle m'a dit, ben, le mieux, c'est d'aller voir en premier lieu ton médecin.
Et c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis rendu chez mon médecin, qui lui a diagnostiqué immédiatement une bronchite. Donc j'ai été soigné pour une bronchite, et malgré bien sûr les médicaments qui m'étaient prescrits, mon état de santé ne s'améliore pas. Il m'a été conseillé de me faire un test Covid à l'hôpital de Digne avec ma compagne. Et d'ailleurs, en même temps que Patricia Granier, qui elle aussi avait contracté le Covid peu après. 48 heures après le test étant positif, nous sommes retournés à l'hôpital. Et là, comme j'étais toujours de plus en plus fatigué, ils ont décidé de me garder en observation. Le lendemain, donc c'est assez surprenant, mais là j'en ai parlé avec monsieur le directeur, je comprends tout à fait la réaction du milieu hospitalier qui n'était pas très formé sur le sujet, comme tous les hôpitaux de France et de Navarre d'ailleurs. Voilà. Et donc ils m'ont gardé en observation une nuit, et le lendemain ils m'ont demandé de retourner à mon domicile avec une prescription, je me souviens, de Doliprane. C'était en début de semaine, le mardi. Mon état de santé étant de plus en plus préoccupant, forte fièvre et toux importante, mais fièvre carabinée pendant 3 jours, 40 de fièvre, enfin, etc. Le vendredi soir, ma compagne a pris peur et elle a eu une bonne réaction. Elle a contacté l'hôpital qui a de suite missionné le service d'urgence de venir me chercher. Et c'est là que le cauchemar a commencé. En effet, ce qui m'a frappé tout d'abord, c'est la tenue des soignants qui était extrêmement impressionnante, et ils me semblaient atterrir sur une autre planète tant ils étaient revêtus d'une tenue de cosmonaute. Donc ça ne vous met pas à l'aise déjà quand vous voyez arriver des personnes comme ça, vous n'êtes pas préparé. Je suis arrivé, je me souviens, en pleine nuit à l'hôpital en ayant l'impression d'arriver dans un autre monde. Des infirmières m'ont accueilli dans une tenue presque identique. J'étais moi-même enveloppé dans une combinaison et j'étais sous respiration artificielle. Il y avait une atmosphère surréaliste et j'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction, et je me demandais bien ce qui m'arrivait. On m'a alors conduit dans un bloc de réanimation, donc un véritable laboratoire, je me souviens, tant qu'il y avait un grand nombre d'appareils de contrôle. J'avais des tuyaux de partout et il m'était impossible de bouger. J'étais à l'isolement complet et j'avais bien l'impression d'être un pestiféré. Les infirmières ou les aides-soignantes rentraient dans cette pièce revêtues de vêtements qui étaient détruits à leur sortie. Je ne souffrais pas particulièrement, et si ce n'est le moral, bien entendu, qui commençait à en prendre un coup, car j'avais pu emporter miraculeusement mon téléphone et j'arrivais seulement à échanger par SMS quand je n'étais pas trop mal, et surtout quand j'arrivais à le faire recharger. Je me souviens, c'était très compliqué. J'arrivais quelquefois à parvenir à regarder quelques informations, et là je me souviens que le peu d'informations que je regardais, c'est des personnalités qui mouraient tous les jours. Donc je me souviens, je suis passionné de football, du président de l'OM, d'un député qui m'avait marqué, etc. Et donc après j'ai arrêté de regarder, parce que c'est pas ça qui était fait pour me redonner le moral. Donc mes examens étaient de plus en plus mauvais. On me faisait des radios très souvent, et c'est là que j'ai découvert la girafe. Alors la girafe, ça donne une impression d'un peu d'humour, c'est vrai, c'est rigolo, parce que c'est ce surnom qui avait été donné après à cet appareil. C'est une radio qui est installée à 2 mètres de haut, sur un chariot mobile, et qui venait faire des radios, puisque je ne pouvais pas bouger, et qui se déplaçait. Donc je voyais passer la girafe, je la vois encore dessus le truc où j'étais, là, ok. Mon état de santé se détériorait et je commençais à désespérer, malgré les nombreux soutiens et la gentillesse et le professionnalisme que je souligne vraiment des soignants et à qui je veux rendre un grand hommage parce qu'ils travaillaient dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles. Divers traitements étaient essayés. J'étais un peu comme un cobaye, car personne à ce moment de la pandémie connaissait un véritable traitement. Un matin, donc là je suis à peu près à J plus 10 à peu près, 10 jours de réanimation. Un matin, je reçois la visite d'un médecin de l'hôpital qui me propose un protocole qui venait de sortir et d'être appliqué à Marseille, dont je pense que vous avez entendu parler, celui du docteur Raoult, qui semblait être très efficace
et qui me donnait, pour moi, il me semblait, une chance de m'en sortir. Je me suis dit pourquoi pas, et en réalité, je crois que c'est ce qui m'a sauvé. Pourquoi ? Peut-être pas par les vertus de ce médicament qui ont été lourdement contestés après, je peux être d'accord avec ça, mais par l'espoir qu'il me donnait et dans lequel je me suis raccroché. Et voilà, et je me suis raccroché et ça m'a donné quand même beaucoup plus de morale. 2 jours après, mon état de santé toujours se dégradant et j'étais au plus mal, je reçois la visite de 4 médecins qui me proposent de m'intuber, c'est-à-dire de me mettre dans un coma artificiel, cela étant, d'après eux, la seule chance qui me restait pour survivre. Et la dernière thérapeutique qu'ils pouvaient appliquer. Ma réaction a été vive et spontanée. Bon, vous le voyez, je suis quand même un sportif, je n'aime pas trop me laisser mener, et j'ai quand même eu une sorte de courage, c'est sorti spontanément. J'ai tout simplement refusé. J'aurais dit, je ne veux pas de votre intubation, en leur préparant que je prenais mes responsabilités, que je venais de commencer de recevoir un nouveau traitement, donc celui du fameux docteur Aout, et que j'attendais de voir ses effets. En effet, donc, je trouvais cela stupide, depuis 2 jours je prenais des médicaments, qu'on n'attende pas un peu voir l'évolution de ces soins, qui certainement n'auraient rien fait au problème, mais bon, voilà. Et apparemment, ça n'aura pas très fait plaisir, je me rappelle. Mais je me souviens que l'un d'entre eux s'est montré plus compréhensif et a même dit, puisque c'est son choix, laissons le faire. Je pense que j'ai eu là la bonne réaction, ce qui m'a rendu encore plus fort, car après coup, j'ai su que dans l'état où j'étais, l'intubation aurait été fatale. Je vous rappelle que les statistiques disaient que sur 2 personnes intubées, il y en avait une qui décédait. Il y avait 50% de chances de ne pas s'en sortir. Puis, petit à petit, donc des nouveaux traitements. J'ai eu de nouveaux traitements qui finalement commençaient à être plus adaptés avec un peu de recul. Mon état de santé s'est amélioré et après 17 jours de réanimation, dans des conditions très difficiles, j'ai pu rejoindre, sous les applaudissements du service, monsieur le directeur, parce que vraiment c'était un moment mémorable, hein. J'ai pu rejoindre le service du docteur Guignon qui a été vraiment super avec moi et avec tous les patients et que je remercie du fond du cœur. Là, je suis rentré dans un autre monde, un nouveau monde. J'avais l'impression d'être dans un palace. J'avais une chambre, j'avais un lit, j'avais des toilettes, j'avais de quoi prendre une douche. Enfin, c'était merveilleux. Je suis resté là 5 jours, puis j'ai pu rejoindre mon domicile. Et après, pour une longue convalescence, je pensais que c'était terminé. J'avais perdu 10 kilos. Et je pensais, oui, je les ai repris, c'est bien. Et je pensais qu'à me retaper. Mais 8 mois plus tard, j'ai eu subitement un deuxième problème important, puisque j'ai eu une pleurésie. Les services du SAMU sont venus me chercher à mon domicile. Là, j'ai compris que je n'allais pas m'en sortir. C'était très douloureux. Et j'avais une tension qui était énorme et je souffrais énormément. Mais grâce à cette intervention rapide du SAMU et cette hospitalisation, j'ai pu petit à petit me retaper, comme on dit, et j'ai pu rejoindre ma maison. Depuis, je n'ai plus de gros soucis, si ce n'est de temps en temps des gros coups de fatigue. Aujourd'hui, la question qui pour moi reste sans réponse, c'est là où j'ai été contaminé. Point d'interrogation. Est-ce la soirée de gala au rallye de Monte-Carlo où nous étions 1000 personnes dans une salle vraiment bondée et très chaude, ou est-ce au cours de la campagne électorale, puisque après Patricia qui vient de nous rejoindre malheureusement a eu le Covid et on a souvent comme hypothèse dit que c'est moi qui lui avais donné, mais c'est fort possible. Hein. Ou est-ce alors au cours de ces réunions? On ne le saura jamais. Je dois pour terminer souligner que c'est grâce au soutien de ma famille, de mes amis. Et les amis ont été importants, notamment au milieu hospitalier, où j'avais des élus qui étaient très présents avec moi, et d'un service hospitalier très dévoué et compétent. Je l'ai dit tout à l'heure, malgré des conditions de travail difficiles, que j'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec vous. Pour terminer, tout à fait cette fois, c'est vrai, je vais terminer, ce qui résume le mieux ce que j'ai vécu, c'est par une partie de chanson de Jean Ferrat, dont je vous la lis.
tout ce que j'ai cru à jamais perdu pour moi, pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter que c'est beau, c'est beau. Excusez-moi. Merci, merci Bernard, de ce très beau témoignage. Je vais passer la parole à monsieur Franck Pouilly, le directeur du groupement hospitalier, qui va apporter quelques éléments complémentaires. Merci. Bon, alors, notre patient zéro, merci au patient zéro. En fait, il est venu pour tester l'hôpital, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ça en fait. Il a des incertitudes sur notre fonctionnement hospitalier, et désormais, il est sûr que ça fonctionne. Bon, voilà. Non, il vaut mieux pas. Moins on vient à l'hôpital, mieux on se porte, tout compte fait, hein, c'est ça le principe. Alors en fait, cette crise Covid, elle a été très particulière, mais vous l'avez vécue comme nous. C'est une crise étrange parce qu'on avait beaucoup de plans blancs, on avait beaucoup d'organisations prévues, mais aucune organisation, comme toujours, pour quelque chose de cette ampleur. Et on a tous vécu le début, les 62 jours de travail non-stop de la première vague, qui est très différente des vagues suivantes. Et cette première vague, c'est une vague où on a eu tous très peur, parce que même si on est formé à tout ça, l'ampleur, l'inconnu, hein, c'est ce que vous dites tout à l'heure, on n'a plus du tout fait dans les secondes, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, bientôt huitième vague, plus du tout la même chose. On n'a plus du tout pratiqué de la même façon. Et on va se rappeler qu'à la première vague, on avait en fait mis en place des cloisons. Donc pour ceux qui ont lu Camus, ça rappelle quelques souvenirs, mais on a vraiment mis des cloisons. On avait des gens qui étaient, et on le voit encore en Chine aujourd'hui, suréquipés. On utilisait mal les masques. Hein, on se rappelle toujours ce que c'est qu'un FFP2 et ce que c'est qu'un masque chirurgical. C'est pas du tout la même chose. Donc on a eu vraiment un débordement. Moins d'activité, parce que concrètement, on n'avait plus d'urgence. 30% d'activité aux urgences par rapport aux jours précédant la crise. Et en revanche, une angoisse dans l'ensemble du personnel, une angoisse de l'ensemble des patients. Et votre témoignage, c'est exactement ce que ça dit, puisqu'on l'a vécu tous les jours. Et tout compte fait, une activité complètement bousculée. C'est la première fois qu'on a recirculé sur des routes vides. Moi, je circulais sur tout le département, je ne rencontrais personne. C'était donc le monde d'après. Heureusement, petit à petit, les choses sont revenues vers la normale. Ce qui a été, nous, une des premières réactions qu'on a eues, c'était la demande d'information par les élus et la demande d'information par nos propres personnels. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'informations qui circulaient. Qu'est-ce que le Covid? Comment ça fonctionne? Quelle est la contamination? Comment se protéger? Qu'au bout de 3 semaines, on a mis en place un flash info qui, toutes les semaines, était envoyé à l'ensemble du personnel, puis en fait aux pompiers, qui n'avaient pas d'informations non plus, puis aux élus. Puis en fait, ce flash info a été diffusé dans tout le département parce qu'il y avait tellement d'informations. Enfin, je sais pas, vous en souvenez tous, hein, puisque vous étiez tous nés à l'époque, nous aussi. Et chacun cherchait des informations à la fois précises, trop d'informations internationales, et trop de protocoles, et on s'est retrouvé avec les médecins de l'établissement à aller expliquer comment porter un masque, pourquoi on pouvait continuer à vivre et comment on allait pouvoir survivre à tout ça. Et vous êtes tous là aujourd'hui, donc ça a plutôt bien fonctionné. Et on est dans des vagues complètement différentes. Vous voyez qu'on prend plus du tout les mêmes précautions. La preuve aujourd'hui, hein. Personne ne porte de masque, alors que si vous venez à l'hôpital, tout le monde porte des masques à l'hôpital. On a eu une visite, c'est intéressant, de la Haute Autorité de Santé à l'hôpital de Digne la semaine dernière. Et on nous a posé une question, je le dis pour le docteur Granet, parce que c'était une question intéressante. On nous a demandé pourquoi pendant 2 ans, on n'avait pas fait les mêmes formations sur le lavage des mains. Puisque avant, on faisait 5 formations pour les soignants par an avec des journées sur le lavage des mains. Et donc, les certificateurs, les experts, nous ont demandé pourquoi on n'avait pas fait ces formations. On leur a dit que pendant 2 ans, c'était compliqué de mobiliser tout le monde. Mais en revanche, on a expliqué qu'avant, on consommait environ 500 litres de solution hydroalcoolique par an et qu'aujourd'hui, on en consomme 2500. Donc,
oui, on n'a pas fait les formations, mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut se laver les mains et qu'il faut continuer à se laver les mains. J'espère que vous le faites aussi quand vous rentrez chez vous. On a gardé un certain nombre de réflexes de cette crise. Donc, une des leçons qu'on a tirées de cette crise Covid, malheureusement, on a perdu des patients. Heureusement, il y a plein de patients qui sont passés à travers tout ça. On a beaucoup changé, on a beaucoup progressé dans les soins. On a vu les traitements monoclonaux arriver, ce qui, au moment où vous étiez là, n'existait pas. Même si on a eu des traitements un peu folkloriques au début, petit à petit, on a eu des vrais traitements. Et aujourd'hui, on voit que ça continue à évoluer. Vous avez vu ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on va appeler les vaccins bivalents. Hein, vous commencez à entendre parler de cette notion des vaccins monovalents qu'on avait eu avant et des vaccins bivalents. Et puis, vous avez vu ce qui va arriver, c'est-à-dire les nouveaux variants d'Omicron. Donc, même chose, on a ces incertitudes sur quels sont les vaccins qui vont couvrir quel type de variant. Donc, c'est une course en avant, mais c'est une course qui est très différente du début. Le début de la course, ça a été ça notre problème, et c'est un peu le thème. C'est un début de course où, en effet, on est prêt pour quelque chose, mais pas du tout prêt pour quelque chose qui nous touche tous. Et moi, je me souviens, et je le dis très honnêtement de nos partenaires italiens, c'est chacun pensait que le système de santé de son voisin était moins bon que le sien. Les Français pensaient être meilleurs que les Italiens, les Allemands meilleurs que les Français, les Italiens meilleurs, que, etc., etc. Les Américains, bien sûr, au summum de la pyramide. Et ce que ça nous a montré, c'est qu'on est tous aussi bons ou aussi mauvais les uns que les autres, et qu'on a quand même tous réussi à faire des choses ensemble. Et ce qu'on a pu faire, et ce qu'on réalise assez peu dans le grand public en général, c'est que surtout, on a révisé une vraie pandémie beaucoup plus grave que celle-là. C'est pour ça qu'on a fait les transferts de patients entre établissements et entre pays. Vous réalisez bien ce que coûte un transfert de patients en réanimation d'un pays à un autre, en avion, en train. Et en fait, ce n'est pas en termes de santé publique un gain qu'on a eu par ces transferts, si on raisonne en termes de nombre de personnes sauvées, par rapport au coût, le coût-bénéfice-risque. Mais en revanche, on a réussi à mettre en place une procédure qu'on n'avait jamais testée. Envoyer des gens en avion, on sait le faire au Canada. Vous savez qu'au Canada, il y a des avions avec de la réanimation dans les avions. Le pays est tellement grand qu'il faut pouvoir transférer des gens. Mais on ne l'avait jamais fait entre pays. Et on s'est aperçu à ce moment-là que la taille des trains, le transfert, les places n'étaient pas faites de la même façon. Comment on fait pour rentrer dans un aéroport et transférer des patients d'un véhicule dans un avion, etc., etc. Donc, en fait, cette crise Covid, on l'a tous vécue. Mais elle apporte énormément de bénéfices puisqu'elle nous a emmenés vers d'autres solutions, d'autres réflexes. Moi, ce que je regrette le plus, c'est que j'avais pensé que l'humanité progresserait plus en termes philosophiques. Je m'aperçois aujourd'hui avec la guerre en Ukraine et la 8e vague et le fait qu'on soit chacun reparti dans son espace, que tout compte fait, on n'a pas progressé tant que ça. Mais le chemin est devant nous, hein, il me semble. Et donc, voilà, aujourd'hui, en quelques mots, c'est une crise importante. C'est une crise qu'on a traversée, mais c'est une crise qui est loin d'être finie, mais en tout cas qui a touché nos fondements. Merci. Merci pour ce témoignage qui est aussi tout à fait intéressant et utile. Le volet hôpital est un volet essentiel, central. Dans le fonctionnement face à ce genre de crise. Est-ce que vous avez des questions à Bernard ou à M. Pouilly? Non, tout va bien? Oui, Barbara. Oui, Elena. Alors, merci pour le témoignage, mais je veux savoir comment ça... C'est la chanson. Parce que... ce que vous avez cité. C'est Jean Perrin, c'est un poète, et je te donnerai les coordonnées parce qu'il a écrit de très belles chansons sur la vie, etc. Et voilà, je te donnerai les coordonnées. Si ça se trouve, je l'ai sur mon ordinateur. Ah. On regardera tout à l'heure. Bien, je vous propose d'accueillir Patricia Granet-Brunello, notre maire, qui va clôturer cette matinée par une intervention et qui va nous donner aussi un certain nombre d'éléments
sur la façon dont elle a vécu tout ça. Qu'est-ce qu'elle en tire comme, comme leçon, comme élément pour l'avenir, puisqu'elle a très, très intelligemment parlé de rétrospective et elle parle aussi de prospective. Ah oui. Bonjour à tous. D'abord, en tant que maire de la ville de Digne-les-Bains, j'ai le plaisir de vous accueillir ici. Donc, il y en a que je connais bien, pour Gomanero. Et puis, il y a Bad Margentheim, mais je ne reconnais pas les visages. Vous êtes. Voilà. Et puis, les autres villes aussi, j'ai vraiment grand plaisir et grand honneur à vous accueillir sur notre territoire dignois et faire votre connaissance. Alors. Bienvenue donc la ville de Borgo Manero et puis le. Alors je sais pas si ANCI veut dire communauté de communes chez vous ou c'est l'équivalent communauté de communes du Piémont et puis donc la Cuarta de Poblete en Espagne. Désolée mais là je parle pas espagnol donc l'accent il est pas bon. Aksakovo en Bulgarie, Ziebich en Pologne, Stip en Macédoine et Bad Mergentheim bien sûr en Allemagne. Donc dans ce projet Sprint Europe for Citizen que moi je trouve assez génial et j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors dans la seconde diapositive, je vais vous donner mon impression, mais c'est plutôt, elle est biaisée mon impression parce que j'y ai mis tout mon vécu de médecin là-dedans. Alors l'anecdote dans la suite de l'histoire de Bernard Tiessier, oui c'est Bernard qui m'a contaminée, il est venu dans, mais c'est normal, il vient dans mon bureau, je suis médecin, il vient me dire Patricia je suis pas bien, j'ai toussé toute la nuit, qu'est-ce que je fais? Moi j'étais assise à mon bureau, il était là sur moi dans le bureau, je me suis levée, je me suis retirée parce que moi de suite j'avais fait le diagnostic, je me suis dit c'est ça, mais c'est bon c'était parti, hein. C'est comme ça. Voilà. Et c'est l'histoire. Et donc, la Covid-19, pour moi, ça a été réapprendre notre société, si tant est qu'il faut qu'on en tire les leçons de tout ça, ça a été de réapprendre à être mortel. Pourquoi ? Parce qu'on a constitué une société, avant la Covid-19, où tout le monde devait être beau, bien, en bonne santé, tout va bien, on ne meurt plus dans nos pays. Nos systèmes de soins sont hyper performants, tout va bien, on n'est plus censé mourir. Et la mort, on ne veut pas, on l'a mis de côté. Mais on a compris malheureusement que pendant la Covid-19, la mort, elle était toujours là. On a tous perdu des gens plus ou moins proches, ou dans nos entourages proches. On a été confrontés au décès de gens qu'on aimait. Et donc, on a réappris à être mortel. Et je trouve que cette phrase est importante aujourd'hui, parce que j'en parlais avec M. Pouilly tout à l'heure en arrivant. On relance en France, je ne sais pas, et on en parlera à commencer dans vos pays, on relance en France le débat sur l'euthanasie. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez terrible, parce qu'on a la chance, en France, entre autres, d'avoir des soins palliatifs et d'accompagner les gens jusqu'au bout. Et qu'on ne me demandera pas, en tout cas à moi, médecin, de participer à une demande d'euthanasie ou de suicide assisté. Mais bon, voilà. Alors, ce qui s'est passé aussi dans le monde, et ça je suis bien placée pour le savoir, puisque je m'occupe des patients qui ont le VIH-SIDA, c'est qu'on a vécu une pandémie terrible, qui est la pandémie liée au virus de l'immunodéficience humaine. Vous savez tous ce que c'est, et qu'on a grandi au fil des années dans le cadre de cette épidémie, qu'on a fait des choses très bien, on a fait des choses où on savait qu'on s'était trompé, on refaisait marche arrière, on repartait, et on a fait des choses extraordinaires dans ce domaine-là. On savait pertinemment au niveau infectiologie que nous serions confrontés à des nouvelles épidémies, des nouvelles pandémies. Alors, on en voit dans le monde qui sont restés quand même assez relativement localisés. Mais celle-là, la Covid-19, bien évidemment, transmission respiratoire, elle a traversé toutes les frontières, toutes les mers, tout. Et on n'a pas tiré les leçons du passé. C'est bien dommage parce qu'on aurait pu mettre rapidement en application, même si ce n'était pas le même mode de transmission, des pratiques qui avaient déjà été mises en place dans le cadre de cette pandémie.
Mais bon, on a été sidérés, je crois, je l'ai dit à un moment, on a été sidérés et il fallait agir. Et on a fait. On a fait. Moi, je me vois tout le temps, que je sois ici en mairie, que ce soit à l'hôpital, il fallait faire. Il fallait agir, il fallait soigner les patients, il fallait éviter les contaminations, il fallait protéger la population, il fallait protéger les plus fragiles, mais il fallait protéger tout le monde. Donc on a confiné, on a fait des choses assez extraordinaires. Mais en médecine, il faut savoir que c'est souvent a posteriori qu'on analyse nos pratiques et qu'on essaye de se dire, bon, est-ce qu'on a fait bien ou est-ce qu'on a fait pas bien? C'est après qu'on le découvre et qu'on sait si nos choix ont été bons ou pas bons. Et aujourd'hui, moi je dis que nous avons fait réellement un véritable déni de santé publique. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de la médecine, et je pense que c'est dans tous nos pays, on a évolué en mettant le patient au centre du soin, en dialoguant avec le patient maintenant et en déterminant avec le patient le choix des traitements et des prises en charge. Ben là, tout ça, on l'a complètement oublié, mais même moi, hein, il fallait faire, on a fait, on ne s'est pas posé la question, il fallait faire. Mais on a fait un véritable déni de santé publique. Mais bon, l'objectif, c'est d'en tirer les leçons. Et ça, c'est encore pas évident. Alors moi, quelque chose qui m'a quand même assez perturbée, partout, c'était les ordres et les contre-ordres. Hein. Un jour, on disait blanc, le lendemain, on disait noir. Mais ça, c'est un petit peu le propre de situations complexes où on ne sait pas trop où on va et où il faut chaque jour définir les bonnes pratiques, si tant est qu'elles sont bonnes, mais il fallait faire. Autre chose, il manque des choses, je crois, en dessous. Alors, hein ? Là, vous avez fait deux diapos, d'accord. Autre chose qui m'a beaucoup interpellée et qui m'interpelle toujours, parce que ce n'est pas que pour la Covid-19, je ne sais pas comment ça se passe dans vos pays, mais nous, en France, je pense que les médias ont un rôle très, très délétère. Voilà. Leur objectif, c'est quoi? C'est d'augmenter la pression, la tension, de créer le buzz, de présenter les choses sur tout ce qui est négatif. Et puis, c'est de pas forcément aller vérifier l'information. Il faut balancer tout ça et il faut qu'on fasse de l'écoute. Et puis, donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, a été et délétère et l'a été fortement là-dedans. À un moment, moi, j'écoutais, après, j'ai pu écouter. Après, j'ai pu écouter, j'ai échangé avec mes collègues proches, mais je voulais plus écouter. L'autre chose, nous, on l'a vécu ici en France, enfin, moi, je l'ai vécu et ça m'a beaucoup perturbée, mais on est comme ça aussi en France. On aime bien les oppositions en France. Et en France, on a un peu opposé nos scientifiques, médecins, entre le Nord et le Sud. Hein. Bon, à Paris, ils faisaient tout bien, à Marseille, on ne faisait pas bien, ou vice-versa, mais ça aussi. À un moment, il y a une parole scientifique, on se tient à la parole scientifique, parce que ça n'a fait que brouiller les pistes. Comme les professionnels de santé ont été très, très médiatisés et chacun y allait de son ressenti. Mais bien sûr, c'est la roue des médias où on est pris là-dedans, on est broyé là-dedans et puis on dit plein de choses qui sont vraies aujourd'hui, qui ne le sont plus vraies demain. Donc on a géré au fil de l'eau toutes ces informations contradictoires, mais ça en était assez impressionnant. Moi, étant allergologue, dans la partie de l'épidémie après, quand on s'est mis à vacciner, j'ai géré toutes les allergies potentielles au vaccin. Mais ça, c'était rigolo. Maintenant, je le dis comme ça. Hein. Sur le moment, ça ne l'était pas. Parce qu'il y a eu des cas de réactions allergiques très sévères en Angleterre. Il y a eu une ou deux personnes. Hein. Et du coup, les médias, ils ont dit « Oh là là, c'est un vaccin, c'est très allergique, attention, tout le monde, vous allez tous faire des allergies. » Et donc, j'ai vu arriver un nombre de patients incalculables qui disaient « Bon, voilà, je suis allergique ou le médecin ne veut pas me vacciner, qu'est-ce que je fais ?» Bon, je pense que, j'ai pas fait le total hein, de toutes les personnes qui sont venues pour des bilans. L'allergie, elle était liée à un excipient. Cet excipient, il est dans la majorité des médicaments que nous prenons au quotidien. J'ai mis en évidence une seule fois sur le nombre de patients que j'ai pu voir,
une seule fois une allergie vraie à l'excipient. Voilà. Donc ça a été surfait, mais en attendant, il fallait brouiller et foutre la panique. Ça a été le cas de le dire. Alors les choses, bien évidemment, les choses les plus simples sont toutes devenues compliquées. Moi, j'ai un peu, quand je dis oublié dans l'intensité, oui, j'ai fait, je dirais un peu en bon soldat, il fallait faire, j'ai fait. En tant que mère, j'ai fait. J'ai eu la chance, parce que je faisais un peu de médecine, de pouvoir anticiper un certain nombre des choses. On était en pleine campagne électorale. Moi, j'ai refusé qu'on fasse notre meeting, parce que je savais que si on le faisait, on aurait beaucoup plus de personnes contaminées dans la ville, donc on l'a pas fait. J'ai dit dans aux équipes, il faut commander des masques. Enfin, il y a des tas de choses où j'ai compris et donc j'ai anticipé. Et j'ai lancé la municipalité dans toutes ces actions pour essayer de protéger. De temps en temps, j'étais retirée en arrière parce que l'État était un petit peu en retard. Mais je dis ça en toute humilité, attention, parce que c'était compliqué. Et donc, on se disait, mais mince, mais oui, il faut aller là. Bon, alors, on prenait de 3-4 jours de retard, mais après, on y allait vraiment pour de bon, hein, dans cette direction. Mais je dirais qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce qu'on oublie ce qui est douloureux, mais j'ai beaucoup, beaucoup oublié de choses. Beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup oublié et ce que je peux vous dire et reste ce que voilà les, plutôt les leçons que j'en tire. En tout cas, quelque chose qu'on a fait, je trouve aussi pas trop mal pour la municipalité, c'est la communication. On a essayé d'expliquer, on a essayé de communiquer le plus possible et avec les outils qu'on avait et qu'on pouvait. Bon, voilà un peu la rétrospective, hein, je voulais dire. Ça, c'est la rétrospective, c'est ce que je voulais vous dire, moi, du vécu. Et donc, maintenant, la prospective. Et je veux remercier vraiment Borgo Manero d'avoir eu cette initiative. Pourquoi ? Parce que oui, aujourd'hui, maintenant qu'on a passé le gros, on dira, de la Covid-19, parce que comme l'a dit Monsieur Pouilly, c'est pas fini, il faut tirer les leçons. Il faut les tirer. Et donc, et cette expérimentation qu'on fait grâce à l'initiative de Borgo Manero dans le cadre de ce projet européen Spring permet aujourd'hui de construire dans le présent un futur souhaitable. C'est-à-dire qu'à travers ça, on va pouvoir, nos municipalités, définir ce qu'on a fait de bien, de le mettre dans le marbre, parce que on ne sait pas ce que le futur réserve et on est susceptible de se retrouver confronté à d'autres problèmes sanitaires et que ça nous servira. Ce que je veux dire aussi pour mon pays, la France, aujourd'hui, je souhaiterais qu'on en tire les leçons sur le plan plutôt sanitaire en soi. Parce que cette crise de la Covid-19, chez nous en France, a mis en évidence toute la fragilité de notre système de soins. L'hôpital va mal, les soignants sont en souffrance. On a besoin de tout réorganiser dans notre pays au niveau de la santé. On est confronté au problème de désertification médicale. On aura en région Provence-Alpes-Côte d'Azur un taux de médecins satisfaisant à nouveau à partir de 2050. Donc on a encore plus de 20 ans à tenir avec des effectifs réduits au niveau médical. On voit partir nos soignants de l'hôpital. On a des patients qui sont en déshérence et qui accèdent trop rapidement au système de soins. Et j'ai eu l'occasion d'en parler hier à la région et j'aimerais bien qu'on essaye de tirer les leçons pour reconstruire notre système de soins. J'ai pas l'impression aujourd'hui que, pour l'instant, on s'oriente dans ce domaine-là. En tout cas, l'initiative que nous avons mis ensemble en place grâce à Borgo Manero et à sa communauté de communes est vraiment quelque chose de super intéressant, et je l'ai traduit par cette pensée, par cette phrase de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur est un philosophe auquel nous sommes très attachés en éthique.
et qui dit une vie bonne, donc tout ce qu'elle est bonne, hein, c'est la visée éthique, avec autrui et pour autrui, dans des institutions justes. Je crois que ça résume beaucoup de choses, en tout cas, à travers cette phrase, moi, je traduis bien toute l'importance donc, de cette action, nous, pour la prévention du risque sanitaire en tant que municipalité, et le souhait que je formule que notre système de soins s'améliore. Et cette phrase que j'ai voulu vous dire pour conclure ce qu'on fait là tous ensemble, parce que c'est beau de se retrouver ensemble là et de tirer les leçons de la Covid-19, cette phrase de Martin Luther King hein, que vous devez connaître, grâce à notre génie scientifique et technologique, nous avons fait de ce monde, parce qu'un quartier, hein. Dans la Covid-19, on s'est tous retrouvés comme si on était là tous ensemble, les pays proches, dans cette adversité. Et maintenant, par notre engagement moral et éthique, nous devons en faire une fraternité. Et je pense que la réunion d'aujourd'hui le montre. Et nous devons tous apprendre à vivre ensemble en tant que frères, sinon nous périrons ensemble en tant qu'idiots. Voilà. Et donc, ce qu'on fait là, on n'est pas parti pour périr en tant qu'idiot, on est parti et on va continuer ensemble pour continuer à vivre en tant que frères. Merci. Merci Patricia pour ce propos. Est-ce qu'il y a des questions pour Madame le maire, pour le médecin, pour la présidente de la communauté d'agglomération? Non, pas de questions. Ils ont faim. Vous avez faim? Non. Ils ont eu une bonne pause tout à l'heure. Vous êtes tous bien installés? Tout va bien? Ouais. Bon. Bon, donc on arrive au terme de cette première partie officielle. On a encore un peu de travail au niveau des référents des délégations pour présenter et partager les contributions. Mais cette partie-là est terminée. On est passé par tous les stades. Hein, on a eu des chiffres, on a eu des informations, on a eu de l'émotion, on a parlé des bénévoles, on a parlé de l'hôpital, on a parlé des associations. Je crois qu'on a tous compris comment, finalement, à travers tous ces témoignages, on a besoin de travailler ensemble. Sur le territoire, mais aussi entre nous, pour continuer ce travail. Et je pense qu'on en est convaincus, on a commencé à en parler, et on va essayer de construire effectivement une suite à ce projet. Il y a encore Bad Mergentheim au mois de décembre, ensuite il y aura Turin, pour partager le résultat de tout ce travail. Je suis sûr que notre maire viendra pour assister à ça. Voilà. Et moi, je vous promets, avec Elena, avec Barbara, je vous promets qu'à cette occasion, à Turin, on vous proposera quelque chose pour pouvoir continuer à travailler ensemble. On a déjà commencé à y réfléchir et on va continuer d'ici le printemps prochain. Voilà, s'il n'y a plus de questions, on arrête là cette partie officielle et on va aller déjeuner tous ensemble au Victor Hugo. Et la photo officielle. Heureusement qu'il est là, Ignacio. Donc on se retrouve au pied devant la mairie pour faire la photo officielle. Et après, on ira déjeuner. Merci beaucoup.